Bonjour les amis, bienvenue sur la Generation. Alors aujourd'hui nous allons écouter Charlotte Summers, cette jeune chanteuse hispano-britannique qui vit partiellement à Marbella en Espagne et aussi en Angleterre pour ses études. Et son papa est britannique, sa maman est espagnole, ceci explique cela. Et il y a quelques mois, elle a sorti une vidéo qui s'appelle Holding On. Donc, je n'ai pas vu cette vidéo, donc je vous propose de la découvrir en même temps que moi. Charlotte Summers, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Je la suis depuis qu'elle est petite. Elle a beaucoup de dynamisme. En plus, c'est une auteure-compositeur ou compositrice. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'elle écrit des chansons, elle fait de la musique. Parfois, elle se fait aider par d'autres musiciens, mais c'est absolument parfait. Beaucoup de dynamisme dans sa voix, des notes très hautes, une voix aussi capable d'aller très bas dans les graves. Une chanteuse quasi parfaite. Voilà. On y va. Charlotte Summers, Holding On. Très jolie photo. La classe. Lunettes de soleil. Voilà, très très jolie. Guns in the air shooting up the sky, got nowhere to hide. Je pensais qu'on allait avoir un clip. Non, c'est juste les paroles sur une image figée. Bon, c'est dommage, hein? Mais c'est pas grave, on va écouter Charlotte. Allez, je vais revenir en arrière. Guns in the air shooting up the sky, got nowhere to hide. The race has begun, only takes one, no hatred inside. Warning signs, I ignore them, but the danger's in my blood. I know it's wrong, but I'ma keep, yeah, I'ma keep holding on. All the pain that we cause, I'm a prisoner for the love. I know it's wrong, but I'ma keep, yeah, I'ma keep holding. On entend comme un petit craquement là dans la musique, un peu comme les vieux vinyles hein, qui crachouillaient un peu sur la platine 10. Bon, évidemment, c'est voulu, mais voilà, c'est un petit peu curieux quoi. Quand on avait des disques, on aurait voulu que ça crachouille pas, et maintenant on met des comme ça, des craquements artificiels sur les disques. Bon. C'est pas grave. Que dire de ce début de chanson? Ben, il y a la voix de Charlotte avec ce petit côté un petit peu rocailleux parfois, j'aime beaucoup. Et puis une présence tout de suite reconnaissable. Avec des chœurs. Did you do under your spell must be voodoo? I'm going insane, I can feel it running, running, running from my veins. Feel the fire in my face. Warning signs, I ignore them, but the danger's in my blood. I know it's wrong.
Yeah. Bravo Charlotte. J'ai essayé de suivre les paroles en même temps. C'est très original d'ailleurs la façon dont les paroles apparaissent comme ça sur la vidéo. J'aime bien. Bon, manifestement, c'est une chanson qui parle d'une relation entre une fille et un garçon. Elle se pose la question si c'est de l'amour ou si c'est de la haine. L'éternel débat sur l'amour. Hein. Ça fait toujours très belles chansons d'ailleurs, hein, les histoires d'amour. Qu'elles finissent bien ou mal, c'est toujours, quand c'est bien mis comme ça en musique et bien écrit, ça plaît, voilà. Alors, il faudra que je relise un peu les paroles parce que j'en ai, comme je découvre la vidéo en même temps, j'en comprends une partie. Après, il faudra que je revienne dessus pour apprécier un peu plus les subtilités. Bah d'ailleurs, peut-être vous pourriez m'éclairer sur cette chanson, sur les paroles elles-mêmes. J'ai une assez bonne connaissance de l'anglais, mais bon, il y a aussi, comme en français, hein, lorsque l'on parle dans la vie de tous les jours et lorsqu'on écrit des choses, c'est un petit peu différent. Nos amis étrangers, par exemple, peuvent peut-être discuter en français, comprendre le français, mais si jamais on va dire, on déclame un poème ou bien on chante une chanson avec des paroles un petit peu travaillées, je pense qu'il serait aussi un peu perturbé sur la compréhension. Là, c'est le cas. Là, j'ai dû comprendre à la volée comme ça la moitié des paroles. Je reviendrai dessus tranquillement après. Mais bon, voilà, c'est l'interrogation que tous ceux qui sont en présence d'un texte qui n'est pas dans leur langue se posent. Est-ce qu'on a bien compris ce qui se dit? Bref, revenons à Charlotte. C'est une valeur sûre de la chanson. C'est aussi une jeune fille qui a... Quel âge a Charlotte? 18 ans hein, à peu près, hein, dans ces eaux-là. Et bah, c'est le moment où il y a encore les études, il y a l'avenir professionnel. Mais bon, c'est une jeune fille passionnée hein, qui chante depuis qu'elle est. Je ne sais pas quel âge elle pouvait avoir, 6 ans, 7 ans. Et on a fait des compétitions sur les chaînes de télévision espagnole quand elle était petite. Et puis sur d'autres chaînes, on l'a vu sur. AGT, hein, American Got Talent. Elle a fait des compétitions au Japon également, où elle était absolument extraordinaire. Je me souviens notamment de New York, New York. C'était fabuleux. Et puis, une voix, hein, une voix, une présence vocale, une valeur sûre. Bon, bah écoutez, je mets les liens dans la description. Down below, comme on entend souvent sur les vidéos sur YouTube. Donc, si vous voulez voir la vidéo de nouveau, allez-y directement sur ce lien. Soutenez également Charlotte hein, par des abonnements sur sa chaîne et puis des pouces. Et puis profitez-en. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous serez prévenu de mes futures vidéos. Et puis un petit pouce pour m'encourager, si vous voulez bien. Voilà. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. On va se remettre un tout petit peu Charlotte pour finir. À une prochaine vidéo. Au revoir.